l'histoire du sale madame maintenant. Écoutez-moi. Sale bonhomme, mais de pire des hommes qu'on n'ait jamais vu. Il jurait cracher, faisait de l'ail aux inconnus. Il rongeait ses ongles et mangeait sa soupe dans une passoire. On m'a même dit qu'il n'avait jamais mis des bêtes dans une baignoire. Oui, sale bonhomme, c'est sale personne. Ange François, c'est sale bonhomme. Il débraquait toutes les machines à sous et le téléphone. Dans les spaghettis, mettait du whisky et du chewing-gum. Son père et sa mère trouvaient dans leur verre du vin et du sel. Et dans leurs chaussures, la confiture, quand ce n'était et pas du miel. Oh, sale bonhomme, et sale personne. Quand le sang sonne, c'est sale bonhomme. Maintenant, écoutez-moi bien, il faut que je vous raconte la fin de l'histoire. Car elle montre de façon éclatante que quand on est un sale bonhomme, on ne récolte que ce qu'on mérite. Et à l'été, il a rencontré un sale bonne femme. Qui lui dit, nous deux, on est si affreux que j'ai un programme. Épouse-moi, donne-moi un enfant, et depuis ce jour-là, au grand étonnement de tous les gens, il vit tranquille dans une sale bicoque, avec un sale gamin et une, deux, trois, quatre, cinq, six sales bonnes femmes. Et son sale petit bonhomme, oui, sale bonhomme. Et sale personne. Alors le sang sonne, c'est sale bonhomme. Oui, sale bonhomme. Et sale personne. Alors le sang sonne, c'est sale bonhomme. Oui, sale bonhomme, vraiment.